Les amis, c'est Céliane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mad City saison 4. Et aujourd'hui, on est un vilain dans Roblox. Je suis content. J'ai été vilain par bug. Tu sais comment, j'ai pris le pouvoir d'un héros. Et après, j'étais mort par un laser. What the fuck? C'est du n'importe quoi. Ok. Alors maintenant, là, je suis un vilain, vous voyez là. Ouais, je suis vilain. Alors le but, il faut pas se faire arrêter. Regarde, le pouvoir... Le pouvoir est bien, regarde. Ah, tu vois, ça fait un drôle de bruit. Comme. Ok, let's go, on va aller voir ce qui compte dans Mad City. Si on voit surtout, certainement, un héros qui va nous arrêter, on va s'enfuir parce que nous, on est un vilain. On a le pouvoir d'un vilain. Ok. Ok, on va aller braquer des trucs. Vous voulez qu'on braque? Ok. On va aller braquer des endroits que vous voulez. Tu veux qu'on braque la pyramide? J'ai déjà braqué la pyramide, c'est facile. Putain. Je vais courir en vitesse pour pas qu'un héros me voie. Putain, il faut pas qu'il me voie, les héros. Sinon, je vais être mort. Oh là là. Sinon, je vais mourir comme... Comme si j'étais slasher. Je suis un vilain. Ok, je suis un vilain dans Roblox Mad City. Je suis un vrai de vrai vilain. Ok. Dans Roblox, si j'étais... J'aimerais cette vilain. Attends, on va enregistrer les deux. Enfin, vas-y. Quand on voit un héros qui veut nous attaquer, on fait reset, compris. On se téléporte vers la base des vilains. Il y a un vilain là-bas. What the fuck? Je suis un vilain. Un vilain à plein de nul. Ok. Vu que je suis devenu vilain, ça m'a fait plaisir d'en devenir un. Attends. Le but, c'est bien, il m'a téléporté directement à la base des vilains. C'est bien de mourir quand on prend un pouvoir parce que il me téléporte direct. Ok. On se retrouve à la pyramide. Bon, malheureusement, j'avais pas envie de braquer la pyramide. J'ai mouru. Dans ce quoi cette lave? Oh, je suis mort. Bah, le bien, c'est que quand on meurt, on se téléporte à la base des vilains. Y a pas un héros qui m'a arrêté. J'ai pas envie de braquer. C'était un peu ennuyant. Bon. Là... La base des vilains, c'est la première fois dans ma vidéo que je vous ai montré. Ça fait deux fois que j'étais vilain dans Mad City. Ok. Quand on est vilain, on doit être content. Je prends mon pouvoir. Pas qu'un héros d'abruti m'arrête. C'est ça la potence. Car elevator. Elevator. Ok. La base des vilains, elle est juste là-bas. Là, regarde. Oh. Je suis content d'être vilain. Là, je veux pas qu'un héros, il vient. Pour m'arrêter, parce que là, il n'a pas le droit de venir jeter la base des vilains pour m'arrêter. On va braquer quel endroit, je pense. Ça, on va voir ça. Ok. Quand on est un super vilain, on prend notre retraite là, en ce moment. Hein. Mec, y a un mec. Mec, salut. Je suis un vilain. Mec, salut. Ok, on va braquer la pyramide maintenant, j'ai envie. J'ai regretté. Arrête de me tuer, je suis pas un policier. C'est comme ça, moi. Au début, je pensais que les vilains, c'était des policiers qui veulent m'arrêter, mais en vrai, j'ai découvert leur identité. Arrête, mec, là, sinon tu dégages de moi, là. C'est pas bien ce que tu fais. Arrête de me prendre comme si j'étais un policier. Bon, on se retrouve à la pyramide, sérieux. Malheureusement, la pyramide, elle était fermée. Ok. Je spawné un véhicule, on va... Bon. Où est-ce qu'on va se trouver, là? Attends, je spawn un véhicule pour moi. Attends, je spawn un véhicule, moi aussi. Je vais aller sur la Camaro. J'ai beaucoup de sortes de véhicules, mais... Ok. Let's go, Mad City. Yop, les vilains! Alors, j'aime pas ça que vous me disiez que ma vidéo est nulle, parce que sinon, vous regardez plus mes vidéos. Ça, c'est pour les gens qui aiment mes vidéos en ce moment. Mais...
Alors Napi Keren, je te remercie pas pour le message que tu m'as écrit pour le par une vidéo Zombie Rush, tu m'as écrit. Alors, tu t'en souviens que moi j'ai là maintenant j'ai 12 ans. Ma fête c'était le 27 septembre. C'est pour ça que mon ami Adam, il a fait une vidéo. Tu connais sa DFTDL, c'est lui Adam. Ok. On va aller dans un. Ah mais mec, je rendu pas bien quand je tiens ma caméra. Ok. Quand on devient un vilain, on va les braquer, je pense, là-bas. Où on va braquer? J'ai où à braquer la banque? Quelle bonne idée. Mais malheureusement que quelqu'un n'est pas à la banque un héros. Parce que les héros, ça c'est un peu de l'interdiction qu'ils allaient à la banque. On doit les interdire. Ok, ils sont en train de mettre la dynamite. Je vais aller la braquer. Ok. Ok. Je suis en train de braquer la banque. Ok. Je braque la banque. Oh. Ouais. Je suis en train de ramasser 3 000 $. Oh là là, c'est un héros. On lui vise, c'est un héros. Oh là là. Super vilain de la vie. Oh. Let's go. J'ai ramassé 3 000 $. On se trouve pour la base de... Let's go. Ok, let's go. Je suis dans la base des criminels. Let's go. On va poser notre argent. Quoi? Il y a un policier? Ah non, c'est pas un policier, c'est un héros. Ok. Alors là, je suis vraiment un super vilain. Regarde-vous, allez, pouvoir. C'est vraiment cool. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis un super vilain. Let's go. Cette fois, on va les braquer. J'ai hâte. On va les braquer, je pense. Le casino, il mérite qu'on le braque. Ouais, mais ça... Mais c'est Lian, ça compte pas ce que tu dis. C'est normal, parce que je suis fou. Ok, let's go. On va aller dans le casino royal pour braquer. On va aller braquer le casino royal. Ok. Hein, c'est un policier? Non. Hey, tu m'as fait croire que t'es un policier. Ok, j'ouvre la porte. Ok, let's go. Là, je peux pas. Quand je tiens ma caméra, je peux pas franchir des stages comme ceci. Alors, il va falloir que je ferme ma caméra. C'est parti. On est au casino en train de voler 5 000 $. On va voler 4 000 $. 5 000? Non, 5 000 $, c'est la bijouterie. Oui! Je suis en train de voler l'argent. Les vilains, ils veulent l'argent. C'est ça qu'ils font, les vilains. Quoi? C'est déjà fermé. Et, ok. C'est juste proche. Alors, on n'a pas besoin de fermer la caméra pour aller rapidement vers la base. Let's go. J'ai 3 000 $. Je pose à la bijouterie. J'aurais dû rester encore. Ils auraient dû me faire rester encore plus. J'aurais récolté 4 000 $. Wesh, un pétain. Ok. Alors, moi, alors, ce que je veux pas rencontrer, c'est des super. Ok. On a braqué la pyramide. Non, on va pas la braquer la pyramide parce que la pyramide, ça c'est pas intéressant vraiment. Qu'est-ce que des fois c'est intéressant, ça dépend. Tu vas, toi t'es qui? Vous voyez, ça c'est un skin Fortnite, c'est Raven dans Fortnite, c'est un skin dans Fortnite en plus. Il existe ce skin dans Fortnite. C'est bien Matt City, j'aime ça. Waouh, je suis le meilleur super vilain au monde. Oh là là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du... la vie. Ok, on va les braquer directement. Le coffre-fort, il est là-bas. Je pense qu'on appelle ça le coffre-fort. Faut... Peut-être c'est... Il faut voir dans les vidéos YouTube comment ça s'appelle. Je pense le coffre-fort. Ouais, c'est là qu'on cache l'argent. Tout l'argent caché, c'est 6 000 $ que les criminels peuvent voler. Et c'est la pyramide, le plus grand prix qu'on peut voler. Parce que c'est... C'est 1 500 $. En plus, si je volais ça, j'aurais eu le temps d'aller en voyage. Yes. Oh. Là. Attends. Regardez. Regardez. Oh. Il y a le coffre-fort qui est là-bas. Oui. Mais il reste un peu longtemps, donc il se ferme. Je vais essayer de braquer le coffre-fort. Si on meurt, c'est pas grave. On apparaît dans la base des super-vilains. Pas comme si on était payé. On meurt par des zéros. Quand on meurt par des zéros, on se peut arrêter. Ok.
T'es prêt? On se trouve pour le coffre-fort. Ok, on braque la bijouterie. Tiens. En ce moment, les zéros, ils peuvent rentrer à bijouterie, c'est ça que je sais. J'en sais des zéros, mais... Bah oui, les zéros, ils peuvent rentrer à bijouterie, c'est ça le pire. S'ils pouvaient pas rentrer à bijouterie, ça serait mieux. Ok, moi, je braque la bijouterie. Malheureusement, le coffre-fort, il était fermé, je pouvais pas le braquer. Ok, j'évite les lasers, je veux pas franchir trop les lasers, parce que sinon, je perds. Non, je vais pas perdre mon pouvoir de super vilain, mais... Mais sinon, je vais être un peu... Ok, let's go. Ok, je cache toujours les mêmes bijouteries pour pas me faire effondrer par des lasers. Ok, on va passer cette sortie, parce que cette sortie, elle est facile à esquiver les lasers. Ok, bah c'est ça. Bon, bye pour cette vidéo.